Et bonsoir, c'est Awakis, est très énervé, je parle en son nom parce qu'il a perdu son micro, on ne sait pas il est, on va essayer de le retrouver, c'est peut-être Gollum qui l'a caché, on verra. La mise en place est effectuée, on est parti donc dans la suite de notre rétro gaming. Et oui, vive Queen of the Stone Age, on est bien d'accord, hein, c'est un putain de groupe ça. Et vive le rock'n'roll d'ailleurs. Et donc on est parti sur retour à la forêt noire. Ça va être bien, bien, bien chaud patate. Nos decks ont peu évolué depuis la dernière fois. On va voir ce que ça raconte. On a envie d'essayer de se prendre une bonne grosse branlée. Et tant qu'à faire, autant le faire en musique, ouais. Donc on va voir ce que ça raconte. Et est-ce que je garde cette main ou est-ce que je garde pas cette main? Je sais déjà plus à quoi ressemble une bonne main avec ce deck. Je vais la garder. J'ai du trash. J'ai pas l'intendant. Ce serait peut-être bien que j'essaie d'avoir l'intendant tour 1 pour t'aider, toi, non? Je pense. Ça pourrait être pas mal. Ça peut aider, ouais. Parce que là, j'ai que le corps du Gondor. Je vais essayer de choper ça. On va voir. J'ai une belle main en dehors de ça, mais. Boum! C'est encore mieux. Voilà. Là-bas, on est parti. J'ai l'intendant, donc. J'aurais dû être premier joueur. De ce fait, mais bon. Mais à ce moment-là, ouais, si ça changeait rien à la mise en place. Hein. Si, Gollum était chez moi. Si, ça changeait tout à la mise en place. Pour la carte d'ombre, Tutti Quanti, la carte que t'as annulée là, non? Oh, sinon, c'est pas grave. Il revenait sur toi, non? Tu l'as annulé, la carte. Ouais. Ouais, ça vient. C'est celui qui a le plus haut niveau de menace, ça, non? C'est moi. Donc, en effet. Ouais. Où est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Ouais. Ou Théodred, qui est jamais qu'à 1. Ah ouais, je pourrais le redresser, ouais. Je vais le mettre sur Aragorn, ouais. Bah voilà, petite modification. Je suis premier joueur. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Donc je vais pouvoir jouer. L'intendant chez 13. Et c'est tout ce que je vais faire. C'est tout ce que je vais faire. C'est moi qui garde Gollum, la vie est belle. Un courage sur Aragorn. C'est ça qu'on veut. Oui, alors Aragorn est déjà pris dans la toile. C'est comme ça. D'accord. Bah, la Kate. Est-ce que t'as besoin de la ressource ou pas? Ou est-ce que je la vois quand même sur Aragorn et je le détape? Comme ça fait peut-être deux défenses au cas où. Aragorn et je le redresse. Voilà, j'envoie la ressource d'Aragorn sur Théodred et je le redresse dans la foulée. Comme ça, il s'incline pas. J'envoie 3. Peut même pas envoyer Gollum. C'est vraiment juste un boulet. Boum! Et boum! Et boum! On se croirait sur l'Anduin. 5, 6, 7, 8. C'est sûr, moi je peux défausser une carte sur Eowyn. Peut-être la garder pour un gros monstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faut qu'on gagne 2. Moi je peux défausser une carte sur Eowyn. Je vais défausser. Bah ben voilà, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc on annule la valeur du gros lieu dans la zone de cheminement, il n'y a plus que 2, 3, 4, 5 contre 8. C'est un succès. 2, 3. Non, tu la joues pas. Si. D'accord. Est-ce que je défausse une carte en plus ou pas? Non, on va attendre pour ça. On va attendre.
L'ennemi, peu importe où il va. Voilà. Je peux attaquer à distance et le flécher quoi qu'il arrive. Du coup, on pouvait voyager vers le petit lieu, il y avait un effet. On peut voyager vers le petit lieu, sauf si on le voyage pas et on m'a dit on essaie d'avancer sur la quête directe. Ah oui, ok, ouais, je j'ai rien dit. Ouais. Ok, bah Ravan défend. Je le redresse avec le courage. Pas d'effet d'ombre, c'est défendu. Et Legolas l'explose. Il met deux marqueurs sur la Kate. Ça, c'est un premier tour plutôt sympa. J'augmente de 3 ma menace avec grand plaisir. Et c'est la fin du tour. C'est la fin du tour. C'est la fin du tour. Alors, intendant chez 13. Éléanor est presque riche. Allez, vas-y, Hélène. C'est mieux là. Un ancien matome sur le lieu à 2. Deux anciens matomes sur le lieu à 2. Ok. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est tentant tout ça. Déjà, je vais poser lui. Ensuite, pour un, je peux mettre un marqueur sur un lieu dans la zone de cheminement. Je vais peut-être attendre. Si on a un lieu à 5, ça pourrait le faire sauter. Mais, enfin, je pourrais pas jouer quand il apparaîtra. Mais, s'il n'y a qu'une attaque furtive éventuellement, ça reste une option. Ouais, je crois que je vais jouer ça sur Aragorn. Et c'est bon pour moi, ouais. Aragorn en 405 lignées, ça fait 3. Ça fait 3, ouais. Une chauve-souris de la mort. Mais où est Alain? Voilà, alors 13 défaussés, 10 premières cartes. Ouf, 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 ça fait mal. Plus celui-là qui va arriver, qui va tuer les deux quêteurs. Ah non, enfin, on va le balancer chez moi, lui. Bon, l'avantage, c'est qu'on fait quand même un petit succès, là, non? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 9. C'est sûr parce que sinon je peux le prendre chez moi et tant pis j'explose le défenseur et ok. Alors je vais jouer ça pour toi. Ça. Pour te faire piocher deux. On redresse Théodred. Je pioche deux cartes, merci. Tu la redresses. Ok. Moi, je peux la bloquer pour toi. Il fallait qu'on voyage aussi.
Voilà, et on mettait des marqueurs de quête aussi, de progression, combien on avait fait. On était à 9 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en mettait 2. Ok. L'attaque est défendue. Et dégueulasse pour la chauve-souris. Et tu pioches 6 cartes, toi. Bon, ça. Ok. Ben voilà, c'est la fin du tour. Plutôt pas mal. Dans l'absolu. T'es bien en ressources. En ressources connaissances. Tu veux un. Corps du Mondor. Vu que t'as pioché la blinde de cartes, si tu veux un corps pour jouer plus facilement hein, certaines cartes. D'accord, ok. Là, du coup. Ouais, moi c'est pas mal de petites cartes à un coup, ça peut attendre. J'ai un champ déjà sur Aragorn, donc je regarde un peu ce que je peux mettre ici. Je vais mettre. Je sais pas trop mettre d'allié avec cette saloperie là. J'ai pas beaucoup d'alliés à 2 points de vie, les petites chauves-souris elles font super mal. Que je mette un autre trash. Elles vont t'affecter que toi, enfin, tu peux pas non plus survivre 10 000 ans hein, avec ça, quoi. Je vais déjà mettre ça. Et puis. Filer le corps. Le corps du Gondor. Il fallait se relayer à Nord d'ailleurs, c'est elle qui a un beau corps. Le beau corps du Gondor. Et la dernière, j'hésite à mettre un éclaireur pour mettre un point de sur un des lieux, mais ça va pas le faire explorer. Donc sur celui-là, d'accord. Hop là. Ok, voilà, l'éclaireur sur le lieu, dans la zone de cheminement, ben c'est bon pour moi. Tu peux y aller. Bum! Un champ. Voyageuse de la route de l'Ouest. Ah ça c'est cool. Conseil de Gildor, donc on révélera une carte en moins ce tour-ci. Ça c'est très cool. Théodred balance la ressource sur Aragorn. Je la dépense tout de suite pour pas l'incliner en quête. Et je pars toujours à 3. Ça quête pas des masses de mon côté. Super. Attercop, voilà, on en rêvait, on l'a eu. D'accord. D'accord, probablement l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que c'est. Voilà, ils ont bien fumé quand ils l'ont fait celui-là. D'accord. Bon, on a eu qu'une carte, mais c'était une belle carte, quoi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre. On a un succès de 3. Tu l'as déjà fait, le succès? Ouais, tu l'as déjà fait. Ok. Je défausse une carte. Hop. Ouais, je réfléchis à ce que je peux enlever. Tant pis, on piochera moins. Voilà.
Voilà qui fait 12 pour passer la Kate. Au moins on pourra dire qu'on a fait la première étape. D'accord. Alors les joueurs garde en golem ne peuvent pas envoyer de personnages en quête. Sauf s'ils sont les seuls joueurs restants dans la partie. Et si on fait un échec de quête, on a perdu la partie, tout simplement. Clair, net et précis, quoi. Ok. Bah je vais le défendre pour toi. Hein. Voilà, il lui met un point de dégâts. Et il explose. Mais bien comme il faut, quoi. Tu lui mets 1, on lui met 4, 5, 6, 7. Et lui s'en va. Ils savaient pas avoir 4 points de vie ceux-là, non, il fallait qu'ils aillent. Fallait qu'ils en aillent 6, quoi. Et il fallait qu'il y en ait 3 dans le deck aussi, ça c'était impératif pour que ce scénario soit pas trop difficile. Du coup, c'est moi qui augmente de 3 ma menace. Ou c'est toi? Tu l'as fait? Non, tu l'as fait, ok. Ok, ben nouveau tour. Hein. Bon. Petit allié, c'est cool, il va pouvoir faire le ménage. Ok, un deuxième, c'est parfait. On explose deux lieux. Alors, on peut chercher le top 5 cartes de notre deck pour une carte et l'ajouter à notre main. Ok. Les 5 premières cartes donc. 5 premières cartes. Alors ça c'est pas mal. Alors j'ai plus d'attaque, plus de défense. Plus d'attaque ou plus de défense? Je dirais bien plus de défense, ce serait pas mal sur Aragorn. Je vais prendre ceci pour plus de défense, ouais. Et on mélange. D'accord. C'est à moi. Bah pour deux ressources, moi je vais remettre de quoi bloquer. Et la défense sur Aragorn. Donc, ils font à 4 maintenant. À 3, pardon. Ok. Bah la quête, pareil. J'envoie 3. La ressource va sur Aragorn. Et je le redresse dans la foulée. Un lieu. Et une traîtrise. Oh là là là. Je défausse les 10 premières cartes de mon deck. Est-ce que tu reveux Gollum ou pas? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a deux feintes qui sont passées, deux attaques de quick strike et une attaque furtive. C'est super. Complètement infect cette carte. Je pouvais pas envoyer en quête, ouais, donc j'envoyais pas en quête. D'accord. Je n'envoyais pas donc. Ok, ben voilà, c'est fait. C'est juste. Ben au moins on n'a pas eu un renfort trop pourri niveau de la valeur, donc on va passer cette étape. On passe à l'étape 3, magnifique. Le joueur gardant Gollum ne peut pas jouer des cartes de sa main. Ça va peut-être plutôt être moi qui vais le garder du coup, parce que t'as beaucoup plus de trucs à jouer que moi. Il engage le joueur qui a Gollum. Bah vas-y, viens, on est bien. Fais-toi plaisir. Ouais. Je le garde au cas où il repasse chez toi. Ou... Un héros contrôlé par moi. Voilà, 2 points de dégâts. Ok, lui il explose, il est repeint, il n'existe plus.
3-6, ça suffit pour péter celui-là. Et je redresse celui-ci. Et on met deux marqueurs. Ok. Pour l'instant, ça va. Je prends 3 dans ma gueule, je passe à 38, ça va moins bien du coup. Et je peux pas jouer de carte. Du coup, mon tour, voilà, c'est fait, ça va vite. 2 pour la musique. Ça, c'est autre chose que... C'est autre chose que Queen of the Stone Age. C'est plutôt Queen d'une autre époque, quoi. France Gall. Vous voyez, il faut que je meuble, hein, alors je sais pas de quoi parler. Je sais même pas comment cette chanson m'est venue en tête, hein, je vais être franc. J'essaye de meubler pour que ça soit un minimum regardable, parce que si on se prend une branlée, on va quand même la publier, à mon avis. Parce que, ou on va gagner, et c'est magnifique, ou on va se faire torcher, parce qu'il y a deux Atter Cop qui vont arriver. Donc, il faudra que je vous fasse un... Ouais, il faudra que je fasse ça. Prochaine vidéo. France Gall, tout pour la musique. Vous avez vu... D'ailleurs, où est la pierre de Danny Briand? Où est la pierre de Danny Briand? Où est Danny Briand? On aurait bien besoin de lui. Du coup, je peux quêter, moi, ce tour-ci. Ça, je peux faire. Donc, j'y vais pour 3. J'envoie la ressource de Théodred sur Aragorn. Ou, t'as besoin d'une ressource, peut-être, sur Beravor ou quelque chose? Ou sur Eowyn, pour un cancel? Est-ce que tu veux la ressource de Théodred? T'as pas de cancel? Sinon, tu peux franchement la prendre. Et t'as rien à jouer, moi tu peux, j'en ai pas spécialement besoin ce tour-ci, donc prends-la, envoie-la sur Beravor ou Eowyn, je pense que ça nous aidera plus, t'as beaucoup plus de cartes jouables en main que moi, donc prends-la où t'as besoin, et je dépose celle de Aragorn pour le redresser, et j'envoie quand même 3, hein, c'est... Boum! Et boum, on va pouvoir l'engager, encore 10 cartes, 1, 2, une troisième fin, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ils savaient faire des traîtrises à l'époque. Hein. Du coup, tu peux reprendre Gollum. Ouais, ça c'est cool. Ou je le garde encore un tour. D'accord. En fait, quoi? On était obligé. Donc le tour d'avant, il revenait chez moi. Ok. Ce qui fait que je dois diminuer de 3 menaces, c'est toi l'augmenter de 3 ou c'est quoi le... Sauf qu'à la fin du dernier... Alors en fait, on était obligé, donc au tour d'avant, il revenait chez moi, sauf qu'à la fin du dernier tour, je te le renvoyais, et donc là, il vient chez moi. D'accord, ça me va, c'est toi le boss. C'est toi qui gères Gollum, c'est toi qui as voulu venir ici. C'est pour ça que je veux pas d'enfants, regardez ce qu'ils nous font faire. Ils nous font chier, là, regarde, il nous fait chier Gollum depuis tantôt, à geindre. Alors, qu'est-ce qui se passe face 4B? 4B, hein, et on y croyait pas, et on y croit là du coup. On y croit. Alors, à la fin de la phase de combat, tous les ennemis en jeu engagent le premier joueur gardant Gollum. Il t'engage toi, non? C'est à la fin de la phase de combat? Il doit t'engager toi, mais c'est pas grave. Je peux le défendre. Enlève tes flèches. On n'a pas encore gagné, tant que j'ai pas dit qu'on n'a pas encore gagné. Aragorn défend, il se redresse. Boum. Pas d'effet d'ombre. Legolas explose, on met deux marqueurs sur la quête. Et c'est tout? C'est tout. Remets la carte. Remets la carte, ça c'est trop facile. C'était trop facile, je n'y crois pas moi-même. On a tué. Elle, non, elle est spéciale pour toi, celle-là. On a tué le Rototo et on a gagné. Elle est où la dernière carte de quête? Elle est où? Kate. Remets la dernière carte. Je ne veux pas le croire. Ça ne peut pas être aussi simple. On a vu qu'un Intercop, ça ne peut pas être aussi simple ce scénario. Ok, ouais, il n'y a plus d'ennemis en jeu, donc on a gagné, ouais. D'accord, ok, bravo, voilà, c'est fait. Voilà.
C'était un peu rude à la mise en place, hein. On a switché le premier joueur pour la tactique parce que sinon ça aurait été moins bien. Gollum, on a réparé, tout est fixé, tout est dans l'ordre. J'ai envie de dire, c'est le grand chelem, on y est, on arrive au cycle 2, mesdames et messieurs. On arrive au cycle 2 et j'ai envie de dire, on n'a pas eu Dany Briand, mais. Mais moi je mets Dany Briand quand même, ça vaut pas. Allez, allez, allez! Et Gandalf. Eh, vous passerez pas. Ça, c'est le scénario qui nous dit. Il dit qu'on passe pas, sauf que. Eh, quand même. Ça fait plaisir. Ben voilà, c'est fait, j'ai envie de dire. Que dire? Si ce n'est qu'on était si confiant que de toute façon, on savait qu'on allait le passer. Pas comme si en plus on n'avait pas eu un intercop dans la gueule, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai rien de main de maître, tout ça. Est-ce que t'as quelque chose à dire à part que Queen of the Stone Age, ça défonce Hervé? Parce que là, bah bon, on défonce tout, il me semble aussi, moi. Moi, je crois bien qu'on a tout défoncé. Non, mais regarde-moi ça, quoi. T'as encore deux ressources, t'as encore deux ressources, on est même pas au fond. On a encore quatre ressources sur la table, on n'est même pas à fond, quoi. Et Aragorn, voilà. Il est dans la toile. J'ai envie de dire, voilà. Voilà. Ce jeu-là, je vais arrêter la vidéo, on va passer au scénario suivant, on va vous dire, enfin, on va vous donner rendez-vous en tout cas pour le scénario suivant. Et voilà, ben 13, merci pour cette partie, hein, je veux dire, c'était bref mais intense. Et puis, j'ai l'impression qu'il essaie de mettre de la musique dans son truc, mais il n'ose pas mettre trop fort, donc on n'entend pas bien. Par contre, ton micro grésille énormément, ça. On dirait que tu fais du morse. Donc voilà, ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le dernier chapitre du cycle 1. On a tout gagné du premier coup, j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Donc c'est possible, pas tout le temps, parce que je crois que ça va pas se passer comme ça tout le temps, mais là, mais pour nous ça s'est passé comme ça. Donc j'ai envie de dire, voilà, ce qui est possible de faire avec deux boîtes de base et les extensions. Et un peu de moule, peut-être, sur les trucs, mais aussi beaucoup de talent, je pense, hein, beaucoup de talent, je pense que c'est ça. Et aussi, Dany Briand, on va déjà loin dans la vie. Voilà, ben merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la prochaine pour les mines. On va aller dans les mines avec des nains probablement. Donc on va devoir un peu retravailler nos decks. Et on va voir ce que ça donne. Salut, salut, ciao, à la prochaine.